Nivetelli souhaite partir le penalty. Et c'est l'avance. Et c'est le but. Magnifique penalty. La queue de gardien à contre-pied, vraiment incroyable. Olivier Telly pose le ballon. Il va commencer à s'élancer pour tirer le penalty. Attention. Il prend son élan encore. Il va tirer à droite, à droite. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait, Thierry? Mais où va-t-il? Mais jusqu'où il va? Attention. Oh, il va dans un parking. Est-ce qu'il a assez d'espace pour dire... Oui, c'est bon, il descend l'escalier, il se prépare. C'est une vraie tactique de professionnel. Ah oui, on sent la maîtrise, on sent l'élégance. Attention, il prend le virage, il continue. Et oui, ah, voilà, ça y est, il est prêt. Il va s'élancer, il prend une respiration. Comme incroyable. On sent la tension. Attention, la frappe. Ah, on n'est pas prêt de se coucher, Thierry. Effectivement. Bienvenue à la cérémonie des Oscars. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous ce soir. Et les nominés pour le meilleur simulateur sont... Steven Inyo from Peterborough FC. J'ai refait. J'ai pas touché. Oliver Rich from AS Peterborough. Van Banstave and Olivia Tully from Olympic de Pibro and Real de Pibro. Et le gagnant est... From Peterborough FC. C'est son premier Oscar après 3 nominations consécutives. Je voudrais remercier l'Académie d'avoir voté pour moi. Merci également à ma mère, à mon père et à mon frère. Je veux également remercier mes inspirations, Luis Suarez, Sergio Busquets, Pedro et James Harden. Je vais continuer à simuler et donner le meilleur de moi-même. Merci. Thank you. Qui dans la tribune, Dibala, Steven, la frappe. Oh là 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 là. Oh, mais faut cadrer les ballons. Il était pas loin de marquer un quadruple, Omar. C'est vrai, pépito. Ah, c'est la fin du match. On quitte ce match sur le score de 3-0 pour la Juventus contre Manchester City. Pour les champions, vous en pensez quoi de ce match, Omar? Ah, franchement, la différence de niveau est vraiment incroyable. C'est le nouveau Lionel de Messi. C'est vraiment incroyable. Wesh Narvalo, t'es un ouf! Quoi? 3 buts contre nous, t'as mal, frère! T'inquiète, bah, respecte-nous, frère! Vas-y, t'inquiète! Eh, vas-y, passe ton toyau, je vais le revendre sur eBay, frère! Vas-y! Vas-y, apprends! Vas-y, frère! On va la chicha après! T'inquiète, gros! Vas-y, gros! Simia! Vas-y! Nous avons vécu une magnifique soirée de football et on me dit à l'oreillette que Clémence est avec l'homme du match, Steven. Clémence? Effectivement, Thierry, je suis actuellement au bord du terrain avec le jeune prodige Steven Desparodibro. Steven, comment vous sentez-vous après un tel match? À vrai dire, on est très content, on a fait preuve de caractère, on a pris les 3 points, on est venu pour ça, donc voilà, on a eu un groupe assez solide, face à une belle défense, le coach avait donné les bonnes consignes à la mi-temps, et on a fait preuve de caractère et on repart avec le sourire. Vous êtes le plus jeune joueur à avoir marqué un triplé à la Ligue des Champions, comment vous sentez-vous? On va dire, c'est vraiment un détail, on va dire ça, donc j'ai pu marquer les 3 buts grâce à mes coéquipiers, on a un groupe assez solide. Après voilà, je suis rentré, je les ai vus, je les ai vaincus, donc voilà, je suis vraiment un très, très grand leader, et je peux vraiment avoir le ballon d'or. Est-ce que ça ne vous met pas trop de pression d'être un modèle pour les jeunes d'aujourd'hui? À vrai dire, on sait très bien que les enfants sont vraiment les premiers supporters, donc vraiment monter l'exemple, l'éducation, le fair play, le respect, c'est vraiment des valeurs assez importantes pour moi. Donc il faut montrer l'éducation en dehors et sur le terrain, donc voilà, je sais que je peux le faire, et j'ai les épaules assez solides pour le faire, donc voilà, je suis un leader. Je vous remercie beaucoup, Steven. Okay. Ah, je suis fou quoi? Vas-y, viens! Viens voir la chicha! Ah, c'est un ouf, vas-y, t'es dedans, frère! C'était Steven! Le modèle pour nos générations. Quel modèle, Omar? Franchement, c'est vraiment un exemple en dehors et sous le terrain. Bon, on fait un petit foot. Daniel, chef d'équipe, choisis.
toi. Steven. Toi. Tu sais jouer? J'ai la clé, moi. Ok, tu vas jouer avec Daniel. Non, mais non. Non, j'ai autre chose à faire. Non, mais t'inquiète, 4 contre 2, ça va le faire. Allez. Mais c'est pas elle la régie qui s'occupe des boissons, des gens qui ont mal aux pieds et tout? Ah, je sais pas du tout, mais bon, ça va le faire, t'inquiète. Allez, avec toi. Allez, 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 les gars, c'est parti, hein. Faut que je me coupe les pointes, hein, quand même. Non? Personne est d'accord. Ouais, 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 ouais. Fais quoi? Respirez, d'accord? Respirez. Tout va bien, d'accord? Maintenant, dites-moi votre prénom, s'il vous plaît. Petit. Très bien. Et votre nom maintenant? Pont. Super. Qu'est-ce qui s'est passé? Humilié. Ça marche, d'accord. Ma famille? Oui. Ils sont au courant? Bien sûr qu'ils sont au courant. C'est filmé? Ah, c'est une meuf de mon équipe, moi. Je l'avais depuis le début. Elle, de base, elle est avec nous. Non. Je la connais, c'est ma mère. C'est ma go, wesh. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis rapide poil avec moi, normalement, de base. Un peu. J'ai mal ouf. Partout. Très bien. Maintenant. Levez votre main, votre bras, bien, voilà. Ça fait mal là comme ça? Ouais, ça fait mal. Ça fait mal, d'accord, très bien, bien sûr. Respire, respire, respire. Je suis fini. Oui. C'est la fin de la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour rejoindre la famille la plus unie sur YouTube. Like, commente et partage. Mets en commentaire ton club préféré. Tu peux aussi suivre tous ceux qui ont participé à la vidéo. Tu peux également t'abonner à notre Instagram, les parodies bro, Pébo. Ah!